Bien, salut les métalleux et les métalleuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour une chronique d'album, donc pour la chronique d'album de Silver Dust avec leur premier album qui s'intitule Lost in Time. Donc si vous me suivez depuis le début sur la chaîne YouTube Blue Pro Metal officielle, pas l'ancienne, vous avez dû remarquer que j'ai fait justement la chronique de Silver Dust avec leur nouvel album The Age of Decadence. Et donc suite à cela, ils m'ont envoyé leur premier album, donc Lost in Time. Donc Silver Dust a été formé en 2013, donc c'est du bon rock, hard rock. Donc dans les membres, il y a Lord Campbell au chant et à la guitare, Timmy Pistols à la guitare et au chant, Kirkman à la basse et Monsieur Killjoy à la batterie. Donc quand même, pour leur premier album, Silver Dust a joué au Montreux Jazz Festival, donc c'est vraiment énorme, quoi. Donc maintenant, on va voir les titres. Donc en premier, il y a le titre D-Day, en deuxième, In Your Face, en troisième, Sans La Minau, en quatrième, Time, en cinquième, Under My Skin, en sixième, Symbol of My Life, en septième, Why, qui est la chanson qu'on s'écoute. Moi, c'est ma chanson préférée, un solo bien poignant qu'on aime bien, qui fait vraiment penser à du Steve Vai. Bah, clairement, vu que justement le chanteur Lord Campbell a dit que son idole c'était Steve Vai, quoi. Et donc, l'idole aussi de Kirkman, c'est Iron Maiden, qui sont mon préféré. Donc, en 8ème, il y a One in Wizard, en 9ème, Forgive Me. 11e, Call the Nation. 11e, Time, qui est une acoustique d'action. Et en 12e, Adagio. Maintenant, on va voir un peu l'artwork. Donc, on voit tout simplement un chemin de fer avec tout simplement des oranges partout. Avec un Olay qui baisse la tête. Il est perdu dans le temps, quoi, ça vous dit. Là, le nom de l'album, Lost in Time. Et là, le logo du groupe. Donc c'est un excellent album, il y a rempli pour le premier album, j'étais impressionné, quoi. Waouh, il est vraiment génial. Donc derrière, on voit les titres tout simplement. Donc maintenant, on va voir l'artwork. Donc là, on voit la photo du groupe. Là, on voit Lord Campbell. Là, on voit Timmy Pistols. Là, on voit Kurgan. Et là, on voit Michel Kim. Derrière, on voit tout ce qui est remerciements, le nom des membres, etc. Donc, j'espère que cette chronique d'album vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, donc franchement merci, écoutez ça, c'est tout simplement génial. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon allez, ciao.